Plus tard. C'est bien de commencer. Bonjour. Bonsoir Twitch. Voilà. Oh, elle est trop bien cette début de vidéo. Bonsoir. Donc je suis avec Darkos Bonsoir. et Marco. Voilà, C'est pas Marco. vrai. Je suis un autre. Ah non, il y a des moustiques. What? J'ai laissé la fenêtre ouverte et il y a des moustiques. Terrible, je vais mourir. Oui. Du coup, je vais. Voilà. Je vais juste Je peut-être. vais pas dormir. Je vais peut-être enlever les dons, ce sera mieux. Je vais juste laisser la cam. Voilà. Oh bah j'allais faire avant en plus. Oui. C'est drôle ça. Bon. Du Terrible. coup, on va réagir sur ce Nintendo Direct. Ce sera la première vidéo que je mette sur Twitch. Voilà. Terrible. Super. Bon, c'est quoi vos attentes sinon? Je pense que ça Du parlait nouveau. du nouveau et peut-être que ça parlait. Yep. Parce que Non, si ça parlait de Smash Bros. un peu de chance Si que ça parle de Smash. ça peut nous parler du nouvel Animal Crossing, ce serait un plaisir. Ouais. On va voir. Vous regardez où le live sur YouTube ou Ouais, sur Twitch? YouTube. Moi, Ouais, YouTube. je suis en 1080, 60 FPS. Genre, là, quand même, si j'ai pas trop de problèmes, parce que. Bon, là, j'ai des secondes en avance ou en retard. Je vais peut-être du coup mettre en 720, 60 FPS, ce sera mieux. La qualité sera un peu moins, mais bon. Vaut mieux avoir une basse qualité que tout simplement. Il est vrai, il est vrai. Voilà. Et toi, Tarkos, quelles sont tes attentes? Bah alors une baisse de la Switch, ce serait pas mal, d'ailleurs. Plus que 20 € sur ces discounts. Non mais j'aimerais bien avoir les nouveaux persos qu'ils vont avoir dans Smash Bros là. Bah, S'ils en annoncent, bien sûr. malheureusement, je pense S'ils que. le font, ouais, mais qu'ils ça prenne pas trop Ouais, longtemps quand même. Que mais ça je pense monopolise pas non que. plus Mais ils vont le faire en fin de live. Non, je pense qu'ils vont parler de Super Smash Bros. Quand ils font vraiment un live, Super Smash Bros. Live. Parce Ok. que, vu que. Tandis que maintenant, quand ils ont fait Super Smash Bros. Direct, du coup, j'imagine qu'ils vont parler Super Smash Bros. Que seulement grâce à ce live. Et du coup, les Nintendo Direct, ce sera plus pour tous les autres jeux. Parce que vu que tout le monde est hypé sur Super Smash Bros. Voilà. Mais après, peut-être qu'il peut me faire enculer. Et du coup, il pourrait me dire, je suis Nintendo Direct, je te passe comme du Super Smash Bros. Damn. Donc voilà. Bah oui. Donc c'est que des surprises de toute façon le Direct. Voilà. Je dis quand même, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo Twitch. Si quelqu'un veut faire un montage rigolo sur ce live, voilà. Qui me MP et je mets sa chaîne. Voilà. D'ailleurs, Darko, t'as pas eu de message sur comment ça sent ton téton sur ton YouTube? Pardon? Ah, t'as pas vu la vidéo en entier, dis donc. Ah mais attends, mais là j'ai vu toutes tes vidéos, mais là quelle vidéo La dernière, le Hugo des amis. Attends parce que j'ai une mort, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier que t'es le meilleur abonné d'Hugo quoi. Ah mais gros, c'est moi-même. Ah, Tu. Hugo, voilà. Ah non merde, mince. The Hugo, voilà. C'est la partie Go. CSGO, tu as à peu près 2 minutes, ça va bientôt commencer. Ah si, oui. C'est bon ça. J'en ai des vagues souvenirs, c'est bon. Toute façon, c'est Marco qui a des délires chelous. Ah oui, là, le truc, là, l'histoire, là, on a parlé de nous deux. Oh, non, non, trop sombre. Pas bah, sombre. Bah, il est beau. Ah bah, t'as eu 10 j'aime sur ta vidéo, pas mal. Ouais. Bon, après, tant mieux, hein. S'il y a des gens qui aiment, Pas mal, etc. non. Tu sais, Allez, quand ça je part regarde. sans dislike. J'ai un like, hein, un like. Ouais, quand t'auras Non, ta. je Quand rigole. t'auras ta Tu veux nouvelle un skin? réaction. Tu veux un skin? Tu veux un skin? C'est sûr, t'as mis un like. Hey, je te jure que c'est vrai. Je suis pas les éditeurs. En tout cas, plus qu'une minute. Terrible. Allez. Ah oui, depuis le temps, Marco, il a échangé de pseudo.
Oui, là, ah ch- il change presque ah tout oui. le temps de pseudo. Ah oui, tous les mois. Très, très indécis. Du coup, je me fais plucher, je marque Marco dans la description, voilà. Attends, comment on dit ton pseudo, là, le pseudo d'aujourd'hui, là, comment on prononce ? Ah, c'est Liandran. Ok. D'accord, Skyward, ça allait plus vite. Ah ouais, ouais, d'accord. Si vous pouvez donner un pseudo plutôt qu'un prénom, parce qu'à chaque fois, je regarde la vidéo de Hugo, il y a tout le temps mon prénom, c'est chiant. Ah ouais, c'est vrai, bah... Sous Skywars, alors. Mais non, mais... Oh si, t'as des pseudos, on dirait des formules magiques. C'est pas possible. Attention, ça va te commencer. Ah, ça va bientôt commencer. 15 secondes, allez. 15 secondes, 15 secondes, go. Allez. Ah bah ça commence. Ah moi c'est 10 dans secondes. 10 secondes. Ah bah ouais. Dans le tupu. 5, 4, ah non mais 3, ça commence depuis le début là. Hein. 2, 1. Là ça commence. Peggy 18. Ouais. Donc on a... On vous, a voyez un, vous voyez un écran noir là, avec la fumée là. Là j'ai Nintendo. Ah ouais. Ah vous êtes en retard vous. Ah ouais, t'es sur Twitch toi. Ah non je suis sur YouTube. Ah bizarre. Ah refresh un coup. Ah un petit jeu ah. Que vous allez apprécier je pense. Je crois que j'ai. Godbuster. Oh, oh Luigi. C'est le remake là, qu'ils vont faire ah, sur 3DS. Oui je pense. Mission. Ah non. Non, mention 3. Non, ça doit être le 3, ça doit être le 3. Je vais penser. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est je ça. Crois hein. C'est le... Je crois que c'est le remake qu'ils avaient annoncé sur 3DS. Ah, le 3. En tout cas, ça ferait mieux. Non, c'est le 3. Qu'est-ce que je disais ? Ça ressemblait pas au remake. Quoi ? Mais voilà. C'est terrible. Ah, pas mal. Déjà, bonne somme. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il va faire ça ? Fais chier, fais pas le claquement d'eau. Luigi no atarashikute kowai bouken wo Nintendo Switch muke ni kaihatsu chou desu. Oh, sur Nintendo Switch. Ah, vous dites quand ça switch, vous dites quand ça switch sur le rose. Sore wa mata tsugi no play. Sore de wa 3DS no taitoru kara go shoukai shimasu. Dozo. Ah, il fait pas quelque endroit. Ah, là il passe. Ah, c'est pour toi ça. The 2011 Wii U Kirby's Epic Yarn is warping ouais. Nintendo 3DS. Ah non mais par contre je crois que c'est le pire jeu Kirby que tout le monde détestait. Ah bon oui, celui-là c'est pas le meilleur pour les fans, mais il est quand même bien. Somehow, il faudrait que j'essaye. And to beat courses made of yarn, il a l'air sympa un peu. Oui, il a un côté Yoshi Voli. Every stage from the Wii version is making a return. And the Nintendo 3DS version is also being popped up with some new features. Oh. Ah, c'est sur 3DS, ok. When you pick up items, you can craft bigger yarn. Ah oui, c'est pas sur Switch alors. Even ah, c'est sur 3DS. Oh. C'est dommage, mais... Ils le ressortiront sur Switch. Run this speed demon of a devil in devilish mode. To top it off, new minigame will be a chance to play some other familiar faces. Ouais, Meta Knight. Incroyable. Vous sortez le grand fan. Meta Knight. Kirby's Extra Epic Yarn launches exclusively for Nintendo 3DS in 2019. Ouais, ça va être la suite de Kirby avec les ficelles, ok. Bon. Attention. Bowser Jr. Destined for greatness? The Mushroom Kingdom has a bad case of the blues. And the only ones who can save it are Mario, Luigi, and Bowser? Ah, ils vont faire un nouveau? We can only see Mario, Luigi, Bowser's inside story. There's another side to every story. Ah, c'est vrai, je ressemble de Bowser. Even this one. Now you can go on Bowser Jr.'s journey as well. In his new adventure, Bowser Jr. sets off to find his own remedy for the dwarves. But thanks to his signature selfishness, he ends up causing more problems than he cares. Ouais, je crois que c'est nouveau parce que moi j'en ai un sur DS, mais il est pas aussi beau que ça. Build up your very own army, create your own formations, support allies with an arsenal of moves, and conquer the chaos in every action-packed battle. Is Bowser Jr. destined for glorious kingship like his papa? Mais ça peut être très drôle hein, de voir le sérieux de Bowser Jr. Moi j'aime bien. Ah oui si c'est ça, ok, d'accord. Allez, autre chose. Ah, voilà, ça c'est le remake. Ça c'est le remake. While you're waiting for the next game on Nintendo Switch, don't forget that the original Luigi's Mansion is coming to Nintendo 3DS. That really spooky vibe that fans remember is intact, even when you're playing the new two-player mode making its debut in the Nintendo 3DS version. Ah, peut jouer à deux ? If you and another player each own the game, ah, il faut qu'on possède les deux. Play as this les even jeux. Greener guy as you explore the mansion together. Ah, pourquoi pas ?
Ça peut être le skin vert là comme ça, c'est pas très beau. You can still play boss battles together in the gallery. Je suis Luigi vert. Ça rame un peu hein, sur le 3D. Et on reconnaît maintenant, c'est le Mario vert. You can tap select amiibo figures to surprising results, like revealing hidden boos or healing Luigi when he talks to Toad. Le bou était mieux. Each of the four compatible amiibo has a different effect. Il se fait lécher. Luigi's Mansion will haunt Nintendo 3DS on October 19th. Ah, 19 octobre, ok. Pas mal, pas mal. Ah bah, LOL Pokémon. Even more content coming later. Oh bah, personnellement, je me fous. Pokémon White Dog. Il croit vraiment à la connerie. Ah ouais. Oh mamie. You'll have another way to squad up. Ouais, ça a l'air un Ghostbuster Echo Plus. Oh, ça rame, wow. Magique à 2 FPS, oh, t'es pas bien. Additional content boasts new bonuses for linking save data between Red Cat Core et White Dog Squad. Dans Ghostbuster, y'a pas eu ça. New missions, new areas to explore. Bon bah, après, moi je connais pas trop la licence Yokai Watch, mais ça peut être sympa. You know why. Connais oh, il est. En vrai, moi je trouve ça ennuyeux. Ah, regardez, version bleue et blanc ou rouge. Non, ils ont vraiment appelé ça version chat et chien, quoi. Oh, c'est des génies. Hein. Bon. Ouais. Ça va, il y a le Kirby qui m'a fait peur. Ah, maintenant, mais ils annoncent Switch. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Il le dit là. Ouh, c'est bon ça. Il a changé Harry Potter. Hein. Fais un claquant doigt. Ouais! Spoiler point, si vous avez de l'avance, spoiler point. Ok. Vous voyez quoi là? Nintendo. Là il y a des mecs. Là il y a un truc. La meuf là? Là je vois un mec, là je vois une meuf. Là je vois un masque. Là ouais, le masque à gaz. Oh, on est plus, on est en mode. Version 4. Ok, donc une mise à jour. LOL, j'y joue pas, ça tombe bien. LOL, c'est Naruto. Ah, pourquoi ils nous font ouais, c'est Naruto. Ils sont sérieux là, à faire ça en mode opening là. Opening d'anime. Bah, je trouve très sympa le comment c'est. Ah, il est stylé. Par contre, faudrait changer la typo de l'écriture hein, parce que là c'est un illisible. Ouais, c'est illisible par contre. Oui, mais je pense que c'est l'écriture de Splatoon donc c'est normal. Ouais, mais c'est les gosses qui jouent à Splatoon qui comprennent rien. C'est vrai, mon frère il joue dessus. En tout cas, pas mal ce nouvel opening de One Punch Man. Aïe 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 aïe. J'aime bien la musique. Oh voilà, il fait quoi lui? Oh non, il fait des smoothies. Attendez, je veux juste me marrer. La mise à jour 4.0, c'est Battle Royale. Oh le pigeon, c'est nous. Le pigeon Panam. Akamea. C'est quoi ce Rasengan là? Rasengan. C'est un bijou Rasengan. C'est qui a mis du sperme violet? Incroyable. Eh. Encore? Non, c'est juste pour dire que. Non, c'est le petit message genre. Abonnez-vous sur notre c'est les trucs à la fin, on va apprendre le générique. Ah, ok, c'est juste ça. Oh, Megaman. Ça, il était dispo sur PC. Oui, il était annoncé sur PC, mais... Jump, slide, and shoot through each of tu te rappelles Megaman, Marco? Oh, formidable bounce man. Je réagis pas du tout, en tout cas. Bon bah, ça a l'air intéressant. Ah, ça donne plus envie, hein. Ça donne plus envie. On peut le choper sur PC, ça. Oui, je crois que tu peux le trouver sur PC. Cherche sur Steam, je crois bien que tu peux l'avoir. Je vais chercher sur Steam, moi, je vais chercher... Bien sûr, hein. Ah là, il donne plus envie celui-là que les autres. M'intéresse plus. Waouh, c'est cool. Je vais me payer 15 euros. Achetez nos amiibo. Achetez nos amiibo pour avoir de l'énergie. Ah oui, 15 balles en octobre. 15 balles pour avoir une vie en plus. Hein. Oh, les gagnants. On va voir Mr. MV ou 1, 2, 3 Lunatic. Oh non. Putain, mais ce perso quoi! Suceur de bite! Ouais! C'est ce que j'allais dire, mais. Oh! Mascas! Ça, c'est ma boy ça!
My boy. And the big boss, no racket, Petey Piranha. Il va mettre un personnage jouable dans le roster. Oui. Il le met dans le roster. Nice. Amusez-vous à taper les bouts. Online co-op missions that are only available for a limited time. Ah, ça c'est pour entraîner ton jeu. Il prend ce qu'il a. La casquette. Ah ouais, mais là, t'en avances. Là, c'est là, c'est Fortnite édition là. The version 2 update for Mario. Ah, version 2. Ah, c'est la version 2.0. Ok. C'est une nouvelle mise à jour. Je vais refresh le stream. Excellent. Ah. Intéressant. C'est une compilation de jeux Capcom. Ah ouais, mais ça c'est ouf. Ils ont quoi ça? Ah non, je lag, c'est terrible. Ils ont des Neo Geo. Ils ont quoi l'écran? C'est sur Switch? Oui, et ils ont mis des jeux Neo Geo, des virtuelles consoles. Ils ont fait plein de trucs. L'écran, moi, le stream il a craint. Ah, en gros là, il te montre les jeux Capcom vont mettre sur Switch. Et c'est des jeux rétro. Oh, on peut jouer à 4, pas mal ça. Toi, c'est pas mal ça. Oh, genre en ligne. En ligne, c'est bien parce que si on peut jouer qu'à côté, c'est pas terrible. Vas-y, pousse-toi, je suis en train de défoncer là. C'est terrible, bon, moi le stream a crash, donc là je suis en train de louper Nintendo Direct, c'est un plaisir. Voilà. Tu pourras voir la rediff sur live. Oh, oh. Ça je le savais. Pourquoi je le rends direct? Ça mais là, il lance pas le monde, t'arrives pas le voir? Bah c'est non, c'est pas que j'arrive pas à le voir, c'est que j'étais en train de le voir, mais vu que la connexion elle est pourrie, bah le live il est en chargement. Toadette. Ok, donc là Super Mario Bros. U Remake Deluxe Edition. C'est quoi cette pute? Oh, language. Non mais, piche, c'est un tout depuis tout à l'heure. Ah ouais, je crois que j'avais vu le, quand c'était le gameplay de Luigi et c'est... Il faut pas perdre une seule seconde. T'as 100 secondes à terminer le jeu. Et il a plus une mise à jour la version mobile. Je sais qu'il a sorti une mise à jour mobile, un truc mobile. Ah, je sais pas. Tout roule sur une tête de Switch. Bon, ça. Oh, j'avais vu une vidéo sur ce jeu, j'avais envie d'y jouer à ce jeu. Oh. Oh, il a l'air trop bien. Ah, il a un en mode triangle illuminé. Ah, je connais pas du tout. Oh, ouais. Si, c'est un jeu carrément, il joue sur mobile. Il me l'a conseillé. Et maintenant, tu peux prendre le contrôle de Just roll and roll, all over the place, and all over stuff. Je suis un peu genre le jeu. Gradually growing mass towers over buildings. Ah, il ramasse les ordures. Voilà, c'est comme les jeux où par exemple tu es un petit poisson, tu prends les plus petits et après tu prends les plus gros. C'est comme c'est le seul principe, sauf que tu remplaces les poissons par des objets qu'il y a dans la maison. C'est con de dire comme ça, mais. Roll it till you reach the stars, anytime, anywhere. T'as vu la famille à côté? Ah, hiver 2018. Bon, ça va être en décembre. Allez. Claque les doigts. Ah, oui, c'est vrai que c'est le 19. Hein. Ouais. Qui dit pas de bêtises. Là, s'il claque les doigts, vous me le dites, hein, s'il claque les doigts. Nintendo Switch Online no service naio wo shoukai shita eizo wo goyoi shimashita node, goyan kudasai. Il claque. Encore plus de fun. Il claque les doigts. C'est où il a claque? Nintendo Switch Online. Ouais, c'est quoi cette voix française? Nintendo Switch Online. Voici 5 fonctions dépressif, mec. Votre abonnement vous donne accès. Voici ce que nous allons faire pendant que vous achetez notre abonnement. Attends. Tout d'abord, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis ou Luigi. Affronter des joueurs du monde entier ou former des équipes. C'est le principe de jouer en ligne. Jeux sont compatibles. Ah, ça pas mal ça. Choisissez vos préférés. Il y avait jouer en ligne. Oh, j'aimerais vous partir.
Il y a Luigi qui est triste, le pauvre. Vous pouvez même profiter des classiques de la NES, mm-hmm. et quand vous le souhaitez, sur Nintendo Switch. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais. Laissez-vous porter par le jeu, que vous soyez le boss ou un petit monstre. Dans les jeux multijoueurs, par contre, si... confiez une manette. Par contre, s'il faut constamment être connecté à Internet pour y jouer, c'est chiant. Ouais, c'est nul, ça. Vous pouvez aussi mais jouer en ligne. C'est pas mal, l'idée, déjà. Jouer au jeu NES à distance. Oui, si y a tous les classiques, oui, c'est bon. Redécouvrir. Vous profiterez d'un catalogue de jeux NES mis à jour la régulièrement. Il y a Kirby, s'il te plaît. Non, même pas, d'accord. Oh, Metroid. Luigi sait bien qu'on a beau prendre toutes les précautions du monde, un accident est vite arrivé. Vos précieuses sauvegardes pourraient disparaître. Mamma mia! Mais nous avons pensé à tout. Ah, salut. Avec Nintendo Switch Online, vos sauvegardes sont copiées automatiquement dans le cloud. Ouais. Même si votre console tombe en panne, vos sauvegardes sont en sécurité. D'accord. Ah, application. Nintendo Switch Online, c'est aussi une application pour smartphone. Grâce au chat vocal, vous pouvez discuter avec vos amis dans les jeux compatibles. Ah, c'est pas mal, ça. Ça évite de me déplacer sur Discord ou des trucs comme ça. Les spectateurs peuvent participer à la conversation. Personne n'est laissé de côté. Salut Marco, comment ça va la famille? Par contre, faut éviter de dire mon prénom. Surtout quand on enregistre. Cette application vous permet. Vous avez vu le match de tennis ou c'est fini là? À des services tels que Splatoon. Comment ça, le match de tennis? Là, vous voyez quoi là? Là, un cube. Là, on voit le. Là, il scroll l'écran. L'offre là, exclusive. J'ai plus d'avance. Seront révélées prochainement. Ah. Encore plus de fun. Yoshi a l'air perdu avec Nintendo. La manette. Waouh, les tarifs. Oh, shit. Ce service sera disponible dès le 19 septembre. Ah, choisissez la formule qui vous convient. S'il y a au moins deux comptes Nintendo dans votre famille, l'abonnement familial représente une solution économique. C'est moins cher qu'un abonnement PlayStation Network ou... Bah écoute, Yamote, c'est pas mal, mais... Le chat qui est... qui est en sueur, qui est en sueur. Oh, NES coach. Ouais. Ah, c'est des Joy-Con. Oh, pas mal. Elles peuvent s'accrocher, en fait. Eh, c'est pas mal. Par contre, le prix, ça va être cher. J'ai pas encore vu le prix. Ah, moi non plus. Et pour ça, il a pas dit, là. Mais c'est pas bête. Oh, enfin, vous voulez que je donne le prix? Attends. Vous allez voir, c'est cher. Il n'y a pas marqué quel prix. Ça peut être intéressant si tu peux le connecter au PC. 60€. Ouais, c'est comme les Shrine Coins de base. Ah, claquement de doigts. Claquement de doigts. Allez, un petit animal. Ah, aussi. Pokémon. Bonne nouveauté. Allez, Pokémon. Vas-y, on s'en fout de ça. Oh, yes. On sentait la voix de Darkus. During your adventure, you'll occasionally come across obstacles blocking your path. When you do, you rely on a secret technique to get past. Oh, technique secrète. Ça va. Si je devrais le prendre, je prendrais Evoli. Oh, papy, je prendrais Pikachu. Evoli, quoi. Tu as coupé mon arbuste. Tu as coupé mon bonsaï. Ah, t'as un peu trop tard. Maintenant, j'ai pris l'avance. Moi, ouais, je suis en là, en vrai, c'est juste, je peux aller en avance devant tout le monde, donc. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait le pouce tout à l'heure, mais. Ouais, wow. Oh, on peut caresser Pikachu. Oh, what? Attends, je vais essayer de faire pause aussi. Pokémon, let's go Pikachu and Ah, novembre, le 16 novembre. Ça, c'était prévu, hein. Ah, je suis désolé à prendre l'avance. Ah, il y a le nouveau... ouais. Par contre, la console jaune pisse, là... Tiens, le Pokéball. Allez, autre jeu. La Pokéball, ça a l'air d'une grosse douille. C'est quel jeu, ça? Attends. C'est quel jeu, ça?
Of course, we're talking about Diablo 3. The Dark Fantasy. Ah, ça fait plaisir à Nartak, ça. Oh non, j'ai esquisé, gros. Oh, on voit, MDR. Ça a l'air d'être stylé, ça. Bah, je sais pas si c'est un nouveau scénario ou pas. Où ils reprennent le 3, quoi. Necromancer. Mais pourquoi pas, j'ai jamais joué à un Diablo 3. Je crois que j'avais testé sur PC et il me semblait que sur PC il avait l'air beaucoup plus dark et beaucoup plus sombre. Ah, on peut jouer 4 sur le même écran, pas mal ça. Oh, Ganon. C'est un peu comme Main Parchment. Oh, regarde, il y a Ganon. Où ça? What? Oh, what? Pourquoi il y a Ganondorf? Il tape contre Groot. Diablo 3, Eternal. On peut jouer à 4 en ligne, ça donne terrible. Et on peut jouer 4 sur le même écran aussi. Ah non, ça c'est flingué par. Ouais. Yes. Le truc que je veux. Super Mario Party. Dix minutes et c'est fini. Shake the Joy-Con controller and get your body grooving in soundstage. Là dans ce pourri. C'est très bien ça, un nouveau Mario Party sur Switch. C'est très fun de jouer avec des potes. Non mais gros, tu mets ton écran comme ça dans la vie, tu skis, gros, t'as pas envie qu'il se trahit là, c'est pas possible. Achetez bien les écrans de protection. Ouais. Même si ça veut dire pas Ah, c'est pas mal ça. Chaque personnage a des trucs spéciaux, c'est pas mal ça. Check out the new single player mode. You can play through a series of mini games to complete specific tasks on Challenge Road. Compete against players around the world in the online Mario-thon mini game mode and more. Pas mal, pas mal. The festivities begin when Super Mario Party. Ah, c'est le 5 octobre. Je pensais que c'était le novembre. Oh, ça arrive vite, hey, mais en fait, il lâche tout l'argent en octobre. Game Freak presents a brand new RPG. Un nouveau jeu Game Freak. Ah, pas mal de spoil en tout cas. Under the protection of a great castle, the settlement enjoyed lasting peace. That is, until the sudden appearance of monsters. Indeed, the entire story takes place in this one single village. Take up arms against invading monsters and strategically select from a variety of battles. When the situation calls for it, Ne. What? Oh, mais oui. What secret does the village harbor? Ah, il va lâcher un indien. Find out. Il va lâcher un souffle du pif. Bah, intéressant. Je voudrais savoir plus d'infos sur le jeu. Ah bon, ça sera le 3, ça. Ah. Ou pas. Bon, un jeu. Non, ça c'est un jeu, j'ai acheté, j'ai joué 2 secondes. Et en live. En vrai, ça c'est un bon jeu, ça. Bah, je voudrais bien y jouer, mais c'est assez dur, non? Il est moche, hein, sur Switch. Hein. En France, c'est pas possible. Il rame. Ah, il rame, il m'a. Oh là là. Et en plus, vu que c'est pas clavier souris, ça doit être hyper chiant à contrôler. Bah, tu fais avec le doigt. Allez, on passe 40€, tu vas voir. Je pense qu'en vrai, si tu le prends sur Switch, c'est la meilleure façon, de te purger en vrai. T'es là, ah, je veux une petite purge, allez, vas-y. Non, mais par contre, le jeu, il est vraiment moche, pas possible. Bah, il rame de ouf. On n'est pas sur un live. Attends, on est sur le live Xbox ou Nintendo là? Ah, ça balance des noms, j'ai rien dit. Bah, ça va, j'ai pas dit Morka. S'il y a besoin de bannir des gens sur Twitch, Zugobi. Ah, de toute façon. Oui! Ah oui! Oh, c'est celui-là, celui-là, je suis ultra chaud. Lui, dès que je m'achète direct. Daemon Machina. Oh. Ouais, il a l'air génial. Ah oui, on avait vu le 3, ouais. Il est beau. Ouais. Ouais, il est beau et. Bah, moi, ça m'a surpris quand ils ont montré ça dès le premier jeu de l'E3, mais. Oh, c'est magnifique. Des lourds combats de mecha. Ah ouais, ça va être terrible. Oh, pas mal ça. Ça, c'est un jeu que j'achète sur Twitch, direct, j'achète. La tonne de personnes qui vont se croire être dans Pacific Rim. Ah ouais, gros. Oh. Par contre, si on peut jouer à 4, ça serait terrible. Oh, pas mal ça. Oh, par contre, la gueule. Wow, c'est flash. J'avoue, c'est la force Bélos. À ton fils de Metal Alive. À ton fils so good.
Par contre, faut nous donner une date. Bah, je pense qu'il va te le dire. Damon X Machina. Ah, de 2019, là. Juste l'année. Oh. A big adventure in a miniature world of craft. C'est quoi ça? Ouais, 2019. Made of stuff like boxes and paper cups. Yoshi will leap up high. Ah, c'est un Kirby, ça. Non. Ah non, c'est un Yoshi. Many unusual obstacles litter the landscape. Wow, il a gobé son frère. Non. A well-placed egg could open a new pathway. Théoriquement, c'est pas le même endroit. You could turn the stage on its head or flip the perspective. Oh, pas mal ça. Pretty Yoshi. Explore every nook and cranny to track down hidden tracks and make it to the goal. En tout cas, il m'a l'air mieux que celui de Wii U. Along the way. Ah, c'est normal. Wait, what? You can play the course backwards? Oh, pas mal ça. Really can show you a whole different J'aime side beaucoup. Of the world. The flip side. Know any would be Yoshis? Then pass a Joy-Con controller to a friend. Tu vois aussi, il a l'air d'être cool comme jeu. Ouais, ça a l'air d'être un bon jeu posé, mais. Voilà. Ah ouais, clairement, oui, c'est le petit jeu comme ça que tu fais tranquille. Tu peux partager avec ton cousin et tout. Il va se détendre. C'est au boulot quoi, quand le patron il t'embête. Oh. Hein. Là, il y a la saison. Printemps. Ah, il a pas pris la pièce rouge. C'est quoi ça? And to prove it. Asmodee Digital, leader in card and board games, is bringing full adaptations of best-selling tabletop games. C'est plusieurs jeux de plusieurs jeux. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il lâche le risque? Alors là, le Uno. Multiplayer and the game's le Uno, plus il est sorti sur Uplay. Bah là, il a l'air de proposer d'autres jeux. Alongside a second player, forge a powerful deck. Là pour l'instant, non, tu peux par exemple. Ah, mais attends, il y a un Hearthstone Echo Plus là, je viens de voir. Ouais. Iron Man. Ah, il était pas sur PC. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il était Non, je crois qu'il était sur PC. On voit le bateau. Ah. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh. Pas mal. Ah. Civilization. Oh. Après, j'ai jamais joué à un jeu de civilisation, mais... Mais ça c'est pareil, c'est des jeux de gestion, ça joue pas sur console, c'est infâme. Ah si, ça joue, parce que du coup ça existe dessus, mais ça doit être la contrôler. Civilization 6. Turn friends into the power elite with an exclusive 4-player local multiplayer. Par contre, les gens dans le chat qui sont en mode Zelda, et le Breath of the Wild, il est sorti il y a même pas un an, il faut se calmer. Hein. Oh, là il y a une date là, sur ce jeu. Non, ouais. Bon bah ça va s'en faire une évidence. Ah. Le jeu que tout le monde attend là depuis des années. C'est quoi, c'est un Star Fox? Oui, c'est un Star... Enfin, c'est un jeu créé par Ubisoft. Ah, et... ouais, ah le duo là où la dernière fois ils ont fait le truc. Ah, ouais. Ouais, c'est genre... il y a juste le vaisseau du renard, il y a juste le vaisseau, c'est ça, la bonne au PSP. Ouais. Il y a même pas Sleepy. Vous venez de jump à acheter le jeu, il y aura juste le vaisseau. C'est time to lock on. Oh putain, il est trop bien le nouveau Star Citizen. No matter who, ça va le nouveau No Man's Sky là. Alors, en vrai, No Man's Sky maintenant il a l'air d'être terrible. Hein. Oh. Je l'ai testé, il est pas mal. Ah ouais. Oh. Ouais. Pas mal ça. Alors, après j'avais pas joué au début, tu vois. Oula. Et là, oh, c'est Wolf qui mange le crabe. Oh, il a mangé un crabe de morue, il a pas kiffé. Ouais, il a pas kiffé. Parts on your own Arwing. Ah, espèce de con, tu manges pas la carapace. Tu manges ce qu'il y a dedans. C'est un loup, il c'est est un fou. Octobre 7. Hey, mais en fait, je crois qu'ils enchaînent leur jeu en octobre novembre. Ah, Nintendo Switch this fall. Intéressant. The World Ends With You Final Remix features an all-new story segment called A New Day, which contains a remixed map of Shibuya. So you'll really have to scramble to escape the area.
or face the ratio. Oh, ça c'est bon jeu ça, c'est égal de Tessie. Oh, le personnage il était pas dans un Kingdom Hearts? Le blanc là? A gauche? Non, à droite. Celui avec les casques. C'est un personnage qui était dans le oh. C'est un personnage qui avait un défi. Il devait avoir le même chagrin de l'âge. C'est un DLC? Oh, ça c'est moi là, avec ça c'est moi. Allow you to fight as non, both the artificial life forms known as blades and their masters, oh, the drivers. Newcomers will have the perfect place to start when Xenoblade Chronicles 2 Torna, the Golden Country, launches September 21st. Oh, au bout de quelques jours, là. Owners of the Xenoblade bah, Chronicles 2 expansion ah. pass can download this new content a week early pass, c'est from pour today. Ça. Ah, pour les processeurs. There's tons in store on Nintendo Switch and even more in store for the future. Join more than 38 million players oh, for free ça, to play co-op Space Ninja ça, ça, ça va faire plaisir Marco, ça. Launches November 20th. Ah, attends. Oh putain, oh le jeu est gay. Oh pff, allez, non, non, hors de question. Hors de question. Lui, il a pas d'ungrade, non mais please. Après, tu veux l'acheter. Coucou Vic, si tu veux l'acheter. FIFA 19. Oh yes. Oh Giroud. Ah, cet hiver, nice ça. Ouais, par contre, c'est une grosse blague Warframe sur Switch, comme qui était dégueulasse. Bah, regarde le NBA là. And get ready to jam in the sequel to the smash hit NBA 2K. T'as vu, il y a le logo MSG par terre. NBA 2K Playgrounds 2. Coming this fall. Je crois qu'on dirait la PS3. Play as the Joker, Harley, Lex Luthor. And the rest of the best of the worst in the all new LEGO DC oh. Supervillains on October 19th. Oh, Lego. Lego DC. 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 Oh. Koopa. Oula, ça rame. Par contre, oh. Le live doit être fini. Allez. Final Fantasy. Oh, ouais, ah, mais d'accord, c'est déjà. 15 years after its debut, the co-op action RPG Final Fantasy Crystal Chronicles. Oh, faut que tu mises le jeu. Il va falloir qu'ils. Oh. Soit c'est un remaster ou. Ah, non, d'accord, Crystal Chronicles. Okay. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est Final Fantasy XV qui est mis sur ce jeu? Mais j'ai la console à l'esprit. Non, oui, clairement. Regarde, c'est Final Fantasy XVI, voyons. Ah, c'est un remaster, j'avais raison. Oui, oui. Ah ouais, c'est quoi cette version? Ah bah, là, il est là, le jeu. Ah bah, tiens, ah, il y a Noctis. Tu l'as voulu, bah, il est là. Ça, c'est sur mobile à mettre, ça. C'est mobile. Si vous voulez sur la version PC, hein, que la version PC. Si. Ah. Ah, regarde, il y a les figurines pop. Si vous voulez me donner Noctis, faut le mettre dans Smash Bros. Regardez, il y a les figurines pop là. Incroyable. Tout figurine pop. Oh, il y a. Cloud. Un Noctis, incroyable. Il était pas sur PC ça? Non, je crois que c'était pas un jeu mobile ou un truc comme ça. Oula oula oula, respire mon cou. Prends ta rotoline. Chocobo! Ah mais d'accord, mais il a fait ça juste pour des chocobos. Mais mec, j'avais un jeu chocobo. Avec un jeu de cartes. Chocobo. Oui. Et j'avais un jeu chocobo. Dis-toi, c'est grâce à ça que. Oh, cet hiver. Final Fantasy 12 is coming. J'ai tellement mangé un bon vent, Alexis. Ah ouais, Darkos. Ouais, non, mais bon. C'est quoi, c'est un remaster ça aussi, non? Apparemment. Final Fantasy 12. C'est pas, merci. C'est pas un jeu gratuit que tu peux trouver sur internet, ça? Bon. Mon identité secrète n'a plus aucune. N'a rien de secret en plus. Merci à toi, Skyward. Ah bah, c'est un plaisir. Darkos 921. Which reminds me. Allez, le Zodiac. Oh. Ah, mais il était déjà sur PC ça. Non. Oh, ok, d'accord. Ah. Et il va nous lâcher. Est-ce qu'on peut avoir le. Est-ce qu'on peut avoir le Titus qui rigole, s'il te plaît? Oh, des bisous. Ah, oui, il y a le Titus. Super, je vais pouvoir voir en acheter le Titus qui rigole. Here's a bundle ah, for the ultimate. Évidemment, le paquet final. C'est que pour deux, 2019, quoi, check this thing. Ah, voilà, il va falloir y passer. Hein. Allez. Bon, bah, on aura zéro Animal Crossing. Peut-être, attends, peut-être le One More Thing.
Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition is Nintendo Octis dans Smash Bros. Ah, la console, bah ouais, en plus, elle est Carrefour, il l'avait niqué, hein, il y a quelques semaines. En tout cas, il est très beau. J'aime bien l'idée. Bon, c'est juste des autocollants, là. Ah. There's no better way to show. Ah ouais, non, code de téléchargement, c'est nul, ça. Ah ouais, non, c'est plein. Ils aiment bien faire ça dans les jeux en téléchargement. Ouais, c'est genre, vas-y, gagne des pièces d'or. Ouais, c'est vrai, achète, sinon, achète. Je sais pas, on peut voir la version GameCube maintenant. D'accord. On peut voir la version GameCube, s'il te plaît. Le vendre, ouais. Bon, je voilà. C'est ça que je vais prendre, moi. Ah, des bonnes manettes. That's all for Nintendo Switch headlines. Ah, c'est tout. Bon, faut en faire en main, sans des manettes, hein, parce que faut pas que ce soit trop. Le mec, il marque tout va bien. Allez, hop. Ah. Ouais, bah, il y a un wall morphine, apparemment. Ah. Ouais, voilà, surprise. Spoiler pas. Le claquement doit. Dans Smash Bros, Thanos il arrive. PS, passe. Oh, ah, ouais, non, là t'as tout. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un Animal Crossing. Yes. Attends, est-ce que c'est un nouveau ou est-ce que c'est le portage attends. Du jeu mobile? Attends. Portage de mobile, à mon avis, imposture. Attends. Ah, non, par contre, si c'est juste un remake du New Leaf, c'est. Ouais, plus, ouais, ça pue. Attends. S'il te plaît, Marie, change de truc. La secrétaire. Oh ah, la référence. Ah. Oula. Non, me dis pas que. Non. Attends, c'est du BT. Dites-moi, mais c'est du BT. Attends, quoi. Non. Non. Oh non, pas Marie, t'affole pas. Attends. Ah, si, c'est ça, si c'est ça, je me marre. Attends. Attends. Non, tu vas pas me dire qu'elle a lancé pour Smash. Putain, mais c'est bon, ouais. Non, mais. Aïe, 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 mais non. Oh putain! Non, mais sérieusement! C'est folle, quoi! Et. Bon, bah là, c'est bon, hein, Nintendo, ils sont mis tous les fans à dos. Hein. Et. Moi, je vous dis, Maris, c'est mon main sur ce jeu. Putain, mais, ah non, dans le chat, tout le monde dit mais c'est pas possible. Non, mais là, si Nintendo ne reçoit pas des menaces de mort après ce jeu. Tous les fans de Animal Crossing sont en colère. Oh non, là non. Il y a une bouille. Oh, bouille de l'espace. On t'adore, que... Marie, mais. Attends, il y a un truc. Oh. Ah bah, la fin du jeu, je pense. Attends. Attata. Le mec, il est pas mal. J'ai vu, il y avait un mec qui s'est énervé en mode raqué, il a fait eh, bon, là, c'est des fous. Du calme. Non. Ah non, c'est des graphismes Switch. Attends, alors ils ont recruté Marie. Lui aussi, il joue une fight, à mon avis. Bah, si on met que c'est un joueur éco, c'est. Non. Ouais. Attends. Bien sûr. Mais j'ai aussi tout un tas d'affaires courantes à gérer. Je dois m'assurer que tout le monde retrouve un endroit agréable à vivre. En rentrant, oui. Par contre, si après c'est. Après tout, passer ses journées au camping ou se battre ou que je faisais encore, c'est épuisant. Allez, j'ai encore du travail. Ouais. Oh, on l'a remonté. Attends. Oh, allez, c'est bon, allez. Ça commence. Voilà. Allez, voilà, les fans ont eu ce qu'ils demandent. Alors attends, je vais regarder la réaction du chat. Oui, oh my god. Bien joué. En plus, t'as des mecs qui font non. Bien joué à vous, Nintendo. Voilà. Il y a tout le monde sur Twitter qui dit ouais, tout enfin. Ah non, mais heureusement qu'ils l'ont mis, parce que là, s'ils nous lâchaient avec juste Marie arrive dans tout le monde. Là, vraiment, ils auraient coupé là. Ouais. Je pense qu'il y aurait plein de gens débiles comme ils sont, ils auraient été envoyés des menaces de mort et tout. Ouais.
En tout cas, il y a eu pas mal de surprises. Le Kirby. Incroyable. Qui est sur 3DS m'intéresse. Yoshi et la surprise Animal Crossing. Par contre, quand j'ai vu Camping ou Smash en bleu, je me suis dit non, ça peut pas être possible. Soit c'est un jeu où il y a que Marie comme personnage principal, ou soit elle est dans Smash. Et là, elle est sur Smash. Au début, j'ai eu peur. Au début, j'étais là en mode ah, Animal Crossing, est-ce que ça va être le nouveau? Là, ça commence à parler tout. Je fais putain, non, me dis pas que c'est juste un pauvre remaster sur Switch de New Leaf. Après, ouais. Là, hop, Marie sur Smash. Je fais oh non, ils vont pas laisser là. Oh, là, là. Alors, du coup, maintenant, on va faire un top 3 de ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, on va faire un top 1 juste ce qu'on n'a pas aimé. Mais voilà. Du coup, on va commencer par Tarkos. Moi, c'est le jeu mecha là. Jeu mecha, ok. Ouais. Est-ce que t'as pas trop aimé? Oh, wow. Bah après les petits jeux genre l'autre là, avec qui mangeait ses. Comment il s'appelle là, le petit dinosaure vert là. Yoshi. Ouais, voilà, Yoshi, moi, c'est pas ma cam. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, Marco? Moi, c'est. Le teaser là, de. Le nouvel Animal Crossing, bien évidemment. Et le Luigi's Mansion 3, même si j'ai pas fait les deux derniers. C'est vrai que Luigi's Mansion, ça m'a. Au début, je voyais les fantômes différents. J'ai fait, mais non, Marco, c'est pas possible que ce soit un remastered. Et là, d'un coup, bon, il y avait le remastered. Et du coup, bam. Surprise, Luigi's Mansion 3. Et moi, ce que j'ai aimé, très franchement, c'est presque tout. Il y a juste peut-être l'abonnement qui me fait un peu peur, mais bon. C'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable. Il y a vraiment un mec dans le chat qui a fait déçu, pas de Smash Bros. Ah, mais le gars, il a en retard du live, c'est pas possible. Non, mais c'est pas comme si les deux Nintendo Direct précédents, ils étaient pas uniquement consacrés à Smash Bros. Ouais, voilà. Et très franchement, le seul truc qui m'a beaucoup surpris, c'est certes Luigi's Mansion 3, et surtout les deux trucs à la fin d'Animal Crossing. Ah là là, ouais. C'était une grande surprise pour moi. Parce que très franchement, quand j'ai vu le Animal Crossing, j'ai fait. Alors, soit c'est un jeu exclusivement sur Marie, parce que vu que pas mal de fans d'Animal Crossing ont beaucoup aimé Marie, et aussi parce que c'est le personnage secondaire du New Leaf, si c'est bien cette version-là, hein, de la 3DS. New Leaf, c'est bien ça? Non, de quoi? Le Animal Crossing où t'es le maire, c'est sur 3DS. Ça s'appelle ouais. New Leaf. Ouais, bah dans tous okay. Les Animal Crossing. Oui, enfin, non, sur les premiers, t'étais considéré comme un villageois. Et okay. C'était sur 3DS où t'es devenu le maire. Et après, sur vos téléphones, c'était le chef d'un camping. Et après, le reste d'Animal Crossing, c'est devenu Déco et Mario Party Eco Plus. Enfin, après, je me souviens plus, c'était comment le Mario Party. Et très franchement, après, quand j'ai vu Smash et Camping, je me suis dit, soit ça va parler sur téléphone ou sur Smash. Et là, t'as Antoine qui arrive. J'ai fait, ok, c'est mort. Nouveau personnage de Super Smash Bros. Ouais, pas mal. Pas mal, normal, quoi. Ouais, c'est cool. Bah, en tout cas, pas mal de surprises. Il était temps pour Animal Crossing. Il y a un beau troll de fin quand même. Ouais. Je pense que ce petit troll a pu tuer au moins 20 personnes sur ce live. Ah non, mais j'ai vraiment flippé. Hein. Genre, je me suis dit non. Non. Au début, j'étais là. Quoi? Ok, Marie dans Smash Bros. Ok, pourquoi pas. Mais après, j'étais là. Non, ils vont vraiment. Non, après, ils vont pas nous sur ça quand même. Après, vu que Marie c'est Animal Crossing aussi et que Villageois son Smash spécial c'est de faire construire une maison et avec les Tom Nook. Je suis pas sûr de savoir c'est quoi le Smash final de Marie. Je sais pas, en tout cas, c'est sûr que ce sera pas un joueur écho. Ça, c'est ouais. Sûr. Parce que ça n'a pas été dit. Ouais. C'est quoi son truc? C'est qu'il a construit les maisons, c'est ça? Non, c'est non, de base dans le jeu. De base, dans le jeu Animal Crossing, c'est la secrétaire du maire. Donc oui, c'est ta secrétaire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi un jeu de mots avec Marie qui ressemble à Mary. D'accord. Et d'ailleurs, la version anglaise, il s'appelle Elizabeth. Si je dis pas de conneries. Ah oui, c'est sur la reine d'Angleterre.
On va voir si ça a été mis à jour le site de Smash Bros. Attends, d'ailleurs, je vais regarder ce qui se passe sur Twitter. Je vous partage un peu ça, les amis. Sur le sur la cette vidéo. Attends, je crois que ça a été mis à jour. Ouais. Ah, voilà, Nintendo Direct, je vais voir ça. Allons-y. Ah. Et voilà, nouveau combattant, Marie. Bob Lennon qui partage ça. Attends, je regarde les notifications. Ouais, c'est ça. Écho. Donc, c'est pas un joueur écho. C'est vraiment. Il est considéré. Enfin, Marie est considéré comme la 68e. Il est... Bon, bah, il est temps de prendre une Switch, hein. Des petits trucs comme ça. Oui. MDR, tu t'attendais à voir Waluigi annoncé dans Super Smash Bros. Ultimate, et bam, c'est Marie. Non, mais là, c'est mort. Il sera pas dans le jeu. Ouais, Et ils l'ont annoncé en mode trophée. Il pourrait après genre le retirer, faire un truc spécial pour retirer, ouais. Mais je vois mal Nintendo faire être là en mode CD comme ça si facilement au fond, en mode ah bon bah tenez, voici Waluigi. Mais moi le seul truc que je suis un peu stressé quand même parce mais c'est possible qu'il y ait de la chance. Je dis bien possible parce que voilà, il y a tout le monde qui est content de voir Animal Crossing, tout le monde est en joie. Et c'est voir chanter sur Super Smash Bros. Ultimate parce que certes, il y a Shovel Knight qui est Trophée Dead. Donc si Shovel Knight est Trophée Dead et que chanter, on n'a pas parlé, elle peut être dedans. Je pense qu'elle peut avoir une chance d'être dedans. Ou alors il peut me faire douiller en montrant Waldidi Bandana, je serais quand même content. Beaucoup de gens sont éligibles à... Ah, Smash Bros. Ouais. Mais. Encore. Attends, je veux juste me réconforter dans mon hypothèse et dans mon souhait, mais qui ne sera pas le cas. Vas-y, de toute façon. Attends. On laissera les avis aux autres personnes qui vont voir la vidéo. Est-ce que, vu qu'il y a Cloud dedans, ils l'ont mis, genre, ils ont créé une catégorie, bah, du coup, Final Fantasy. Enfin, logiquement, oui, attends, ça fait ça. Attends, il est où Cloud? Il est là. Oui. D'accord. Donc, j'aimerais avoir un petit rêve, c'est d'avoir Noctis dans Smash Bros. Hein, c'est pas mal. En vrai, si je veux jouer Noctis, j'achète Tekken, mais. Et dans Smash Bros, ce serait pas mal aussi. Non, en fait, j'ai tout le monde qui est en train de paniquer, du genre, mais il y a Marie dans Super Smash Bros. Je sais pas s'il était demandé, si elle était beaucoup demandée. Je crois qu'il y avait un truc. Attends, hop. Il y avait un truc que j'avais vu sur internet. Attends, je vais essayer de le retrouver. Attends, je crois que je vais. Bob Lennon. Ahahadou Jésus, ce Nintendo Direct du vide intersidéral qui termine sur un guac incroyable. Du génie. Ouais, c'est vraiment la surprise ultimate, on va dire. J'aurais aidé parce que je crois que. Il y a eu un truc. Ah voilà, il commence à avoir en plus les petites images du jeu. Attends, il faut que je vous partage ça. T'as coupé le live ? Non, je continue pour montrer à peu près ce que tu veux dire, Marco. Pour sondage et tout. Moi j'ai fini. Alors. Mais regarde ce que je partage. Attends, did you do it? Yes, I did that cost. Ça serait qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir Goku dans Smash Bros. C'est une idée de merde, très franchement. Ah, voilà. Lucky Luke. C'est vrai, c'est un personnage. Ça, il y a Shrek. Alors, là, il y a eu un sondage. Je sais pas c'était sur quoi le sondage, mais. C'était. Il monte pas le pays. Ouais. Et du coup, tu vois, il y a Banjo-Kazooie, Geno, Isaac, Waldidi. D'ailleurs, Waldidi qui est devant chanter. Ça m'a surpris. Mm-hmm. Bon, après, il y a Sense, mais bon, Sense, arrêtez de skiser les enfants. Il sera pas dans Smash Bros. Oui. Ils vont pas remodéliser en 3D, parce que de base, c'est un personnage en 2D. Ouais. Donc, À part s'ils le font en mode Game & Watch, mais... Ouais. Oh, quoi, tu me diras, c'est possible. C'est possible. Ah, j'avais pas eu ça. Sora dans Kingdom Hearts. Intéressant. Skull Kid, il faut. Non, mais ça, par contre, ils ont pas compris qu'en fait, Skull Kid, c'est mort. Il sera jamais en personnage jouable. Et vu que c'est. Non, attends. Ah non, ça dépend. Est-ce que ça a été dit que les objets
seraient les mêmes que dans les derniers Smash Bros. Parce que dans ce cas, parce que genre en gros si ils font comme avec les personnages et qu'ils importent tous les objets de la saga Smash Bros en ben, en objet dans Ultimate, ça voudrait dire que Skull Kid ne pourra jamais être un personnage jouable puisque Skull Kid est déjà un trophée head dans les précédents jeux. Je vois. Dans Smash sur Wii U et tout. Je vois. Par contre là ça reparle encore de ce qui s'est passé avec Rotadidou et compagnie. mais j'essaie de retrouver de l'image où il y avait les sondages. Mais j'arrive pas à le trouver. Il y avait un truc sondage, etc., qui montrait que tel pays ils avaient fait ça. J'essaie de le trouver. Ah voilà, je l'ai trouvé. Et en plus, il y avait King K. Roll dedans, en plus. Et c'était, attends, là il montrait, c'était. Ah voilà, Chapin de caractère, voilà. Voici un sondage du Chapin de caractère. Donc je vais mettre plus grand, hop, enfin même si ça change rien. Donc tu vois, il y a à peu près Rex, déjà. Ensuite, Bandana Vultiti. T'as vu comment il est réputé quand même, Kirby. Ensuite, le personnage principal de Arms, que bon. J'imagine que Chaps était parce que Arms est devenu un jeu connu maintenant. Là, il y a King K. Roll qui était annoncé. Nier Automata, il y avait moins de chance, très clairement. Et ensuite, toute la compagnie. Voilà, donc voilà tous les sondages qu'il y avait sur Smash Direct, quoi. Et bah, je trouve. Très franchement, de très bonnes surprises qu'il y a eu. Oui, il y en a eu une, quoi. Enfin, deux, ouais. Deux. Là, ouais, il y a eu le début et la fin. À chaque fois, ils font ça, quoi. Ils font à chaque fois ça, et d'abord. Excellent. Incroyable. Ça, c'est Sifano, ça. Putain, il a fait une vidéo de réaction en plein live. Voilà, ça va y aller. Ah, c'est un bon Sifano. Tu vas voir Etika qui va réagir à Marie dans Smash Bros. Ah oui, attends, je vais regarder. Attends, Etika, vite. Etika. Non, mais je pense pas que ce sera maintenant. Mais... Ouais, je sais. Mais bon, attends, je vais voir s'il dépend en live. Non, il dépend en live. D'accord, apparemment, il a. J'avais oublié qu'il avait fait cette vidéo. Sakurai, Wairas, Wafu. Bon, bah, c'était un bon live. Hein. Ah, par contre, il a laqué la nouvelle vidéo. Le Roblox Kenny West avec Limpump. Attends, je vais voir si il est pas en live. Non, il est pas en live, bizarrement. Ah, bon. Peut-être que sur Twitter il a réagi quand même. Weinstein, ouais. Voilà, il retweet des trucs. Mais par contre, il parle pas de. Bon, je crois qu'il a dû faire une réaction privée. Bon, bah voilà, je pense que je vais arrêter l'enregistrement. Je vais faire quand même une demande si ça vous a plu quand même ce Nintendo Direct. Te sympa. Et toi, Darkus? Ah, c'était bien, ouais. C'était pas ennuyant, ça allait vite. Ouais, t'as enchaîné. Très franchement, je vais dire un truc, c'était bon. Peu de blabla en plus, donc c'était pas mal. C'était un peu mieux que ce qu'il y avait à l'E3. Ah oui, à l'E3, non, là, à l'E3, ouais. C'était largement. Certes, à part juste que à l'E3, il te présentait plus d'informations sur Smash Bros Ultimate. Mais voilà. Là. Il y avait de bonnes choses. Et ouais. Tous les fans de pas mal de jeux vont être contents. Et je suis assez surpris pour quelques jeux qui vont être tout nouveaux. Et j'attends des informations sur leurs jeux. Comme le jeu Game Freak, qui est le créateur des Pokémon. Je suis impatient de savoir qu'est-ce que ça va être. À part juste être un RPG classique. Alors on verra ça. Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à faire des clips ou à faire des petits montages rigolos si vous avez envie. En tout cas, c'était un bon plaisir et une bonne expérience. J'aurais aimé de le faire en live, mais bon. Malheureusement, vous avez voté tous non, hein. Ah, les salauds. Non, c'est pas des salauds. Je les considère comme... Non, les bons abonnés, pardon. Donc, vous pouvez voir sur la chaîne de Darkus React.
C'est parce que vous avez voté non, je peux comprendre. Il fait tard et tout, et du coup, vous avez besoin d'étudier. Voilà. Mais bon, après, j'écoute votre choix. Hein. Vaut mieux ne pas embêter tout le monde. Je préfère mieux laisser le choix à mon public. Voilà. Le public est roi, quoi. Y aller. Voilà. Le client est roi. Voilà. Sur ce, bonne soirée ou une bonne journée. Et merci d'avoir réalisé cette ce Nintendo Direct. Voilà. Bonne soirée. Au allez, revoir. Bisous. Tu peux pas faire le comme Nintendo Switch, genre ça. Vas-y, refais-le quand même. Oh bah, il est relou, lui. Non, on l'a pas entendu. Oh, trigger. Le trigger. I don't feel so good. Ah, mes oreilles.